Wow! Sur deux étages, en haut et en bas. Bon, mais c'est parti! Aventure Zone, épisode numéro 20. Regarde là. Parce qu'il est en haut. Il est en bas aussi. Il est tout ça en haut. Ouais, c'est la première aujourd'hui. La semaine passée, je suis pas venu à cause que. Il pleuvait toute la fin de semaine. Puis en plus, il a fait froid. Là aujourd'hui c'est parfait. Bon sang! Vous avez vu ça? Les paquets de corbeaux. Il y a des petits oiseaux. Et les vautours. Et j'en passe. Bon, maman, c'est quoi ce machin-là? Un haut-parleur. Un speaker de quoi ça? Hein? Un speaker de je sais pas trop quoi. Il doit avoir un système de son qui part. Attendez un peu. Il y a un autre speaker droite là. Il y a un autre speaker droite là. Là-dedans. Il est droite là, le speaker, le deuxième. Oui? Un deuxième speaker. Non, c'est que je dis qu'il y a un système de choc qui passe. Voilà le deuxième speaker. Hein, oui. Un système de son, oubliez ça, je crois pas qu'on le trouvera pas. Bon, ça. Bon. Oh mon dieu, moche. Lâche-moi donc. Des lumières. Ouais, des lumières, ça. Pas d'ampoule dedans. Mais ben. Il y a une mouche aujourd'hui. Mais beaucoup. Mais oh, c'est quoi ce bruit-là? Ah, la mouche qu'il y a là, ça. Ah, il y en a un autre là. Oui, il y en a un autre là. Nya, il y a de la misère à voler ou quoi? Il y a de la misère à voler en dessous ou quoi? Ah oui, il y a de la misère à voler celle-là. Attendez un peu. C'est quoi après? Allez, vas-y! Il s'est envolé. Il y a de la misère à voler. André était coincé. Bon. Gâche mon chaud là. Alors, on tourne ce qu'on était. Bon. Je pensais que la mouette avait de la misère à voler ou bien avec quelque chose de coincé. Mais non, il y avait rien de coincé. Bon. Les lumières de Noël. Mais beaucoup. Mais ben. Waouh! Il y a autre chose. Ça. Mais par exemple, ça va être un peu plus compliqué là-dedans. Compliqué? Tu le dis, toi? C'est tout le long. Oh là là, bonne chance, Eric. Je suis là, j'ai mon sac à dos en plus. Elle est vraiment trop plein. Qu'est-ce que c'est, ma chaîne, là? Je pourrais être cachemire d'affaires dedans. J'ai envie de voir. Allez, mec, là, on va réfléchir ce qu'on va. Avec ça. Wow! Ok. Il y a des affaires de cuisine, quoi, de ça. Ouais. C'est vraiment un peu dangereux. C'est quoi ça? Pourquoi tu veux me dire quoi ça, cette affaire-là? Des affaires d'audio avec ça. Bizarre ça. Bon, une lumière plus compacte. Voyons, comme une douche. Là, je suis tranquille. Il y a du bois. Oh, ça.
Attendez là. Je vais aller voir ça. Oh, c'est dangereux ça. Je sais pas du quoi, c'est gros. Oui. Regardez ça, ça c'est dangereux ça. Ça, ça peut être dangereux pour moi ça. Si je fais pas attention. Ça peut être un danger. C'est un uribu. On en voit de ça souvent à cette heure, quoi. On en voit souvent de ça. Avant, le bois, il défaisait en morceaux, ça, avant. Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté. On n'a aucune idée. Wow! Oh là là! C'est intéressant ici, il y a des clous un peu partout. Chien là. Il y a une affaire ici. Je sais pas c'est quoi. Il colle après ça. Ah! Je comprends. C'est une affaire de hockey. Avec une affaire de décompte. Il y en a même deux, Gary. Il y en a un ce bord-là. Il y en a un ce bord-là. Fait que tu sais, fabriquer une affaire comme le hockey. D'avoir accroché dans son plafond. C'est spécial, ça. Bon, une cafetière industrielle. Ça, c'est une cafetière industrielle, ça. Tu sais. Et ça, ce machin-là, là. Tiens, les mouches, lâche-moi dedans, un peu tranquille, quoi. J'ai pas vu de ghetto blaster ou de boombox, quelque chose de genre. Attendez là. Je suis en train de marcher doucement parce qu'il y a plein de briques partout. Puis c'est si instable, ça n'a aucun sens. Bon. Faut que je fasse attention à ce que je fais. Car là-dedans, on sait jamais sur quoi qu'on peut filer. Ou sur quoi qu'on peut s'accrocher, puis ça fait mal. Se faire mal littéralement. Vous voyez ce que je veux dire par là? Doux, vite. J'en passe. Peut-être que ça, regardez ça. Ça, ça peut arracher la peau, ça. Tu sais, maintenant, j'accroche mon épaule là-dessus. Bonsoir, les blessures. Et bonjour, l'hôpital. Et en plus, ça m'aide pas pour un truc. J'ai même pas débarrassé mon sac à dos encore. Encore avec mon sac à dos. Je regarde un peu partout ce que je peux trouver en même temps. Bon, ça, des grosses piquages, ça. Regardez ça. Des gros speakers. Tiens, tiens, tiens. Ça, c'est des affaires de lumière de jardin, ça. Vous voyez ça, là? Cette patente-là, là? C'est pour les lumières de jardin, ça. Quelque chose de genre. Des gros speakers. Attendez, on va essayer d'aller les chercher. Tabarnak, c'est bien gros. Des gros speakers. Un gros speaker. Eh ben, il y en a juste un. T'es doc, hein. Parfait ça. Regardez. Rien de grand chose d'intéressant, c'est bon. Il n'y a rien d'intéressant. Même de ce bord-là, j'ai regardé. Tiens, il y a une de mouches là, chez moi, non? Fatigant ces mouches-là. Ils sont fatigants ces mouches-là, mais arrête, boulon. Je pense que je suis en train de me détériorer. Regardez, il y a une autre mouette d'être là. Vous voyez ça? Bye! Il y avait une mouette d'être là. Ouais. Beaucoup de choses, c'est que non. Mais pas de beaucoup de choses, des choses intéressantes.
un aquarium. Un gros aquarium cassé. Ouais, un aquarium cassé. Attention, il y a des pics, c'est coulant. Il y a de la vitre. Attention. Dangereux ici. C'est quoi, il y a deux aquariums, c'est ça? Bon. Maintenant, il y a un autre aquarium de là. Oui, un autre. Non, c'est une vitre, ça. Hop là. Oh oh. Mon chaussure s'est coincé là-dessus. Bon, voilà. Il n'y a rien trouvé de spécial là-dedans. À part des speakers, mais pas de système de son. Bon. C'est chaud, j'ai dit. Moi, je suis rendu là, là. Eh, hey, bon, c'est Eric. Oublie ça, Eric. Regarde, ça va de même, puis tu n'as pas regardé aller plus loin que là. Oublie ça. Quand tu t'en vas dans la crevasse, après, tu tombes en bas. Mais pas pire, je pourrais me passer par là. Faut juste que j'évite ça. Ouais. On va essayer de passer là. Je suis pas sûr de réussir. Déjà que là, c'est assez périlleux. Laissez-moi vous dire ça, c'est assez périlleux. Attendez un peu, j'ai une idée. Si jamais je tombe là, je vais m'amortir avec ça. Faire ça, je vais me faire mal. Ah, mais tu veux tasser ça? Tiens, voilà. Tasser de là, là. Voilà, ça va m'éviter de tomber. Même chose. Allez. Tiens, voilà, parfait. Vaut mieux éviter les blessures qu'il y a autre chose. Je peux même pas débarrasser mon sac à dos. En tout cas, c'est n'importe. On continue la recherche par ici. Non, pas grand chose d'intéressant. Plein de bois, plein de métal. Bon, des décors neufs à cette heure. J'ai un mot de des gens de neufs d'être là. Toutes brisées. Toutes brisées, les décorations. Elles sont toutes brisées. Qu'est-ce que c'est ça? 48. Cocktail fault. Il est mouillé. Pourquoi cette affaire-là? Comment ça? Demandez-moi pas ça, je ne sais pas. J'essaie de repérer des choses, mais pas grand-chose. Des affaires d'or. C'est ce que tu as fait de l'or, ça. Il a jeté ça. Ouais, pour le moment. Ici, c'est vraiment pas trop fort, mais trop vaille, non. C'est pas fort, pas trop grand chose. Il me reste tout ça à vérifier, là. Faut pas oublier. Ça, c'est un balbuzard. Un aigle chevenil, c'est qui c'est. Non, une rubette est rouge. C'est ça, il fallait dire. Il y a un bon sens. Bon, encore là, toi. Encore là, toi.
Es-tu correct? T'es correct? Ok. T'as collé sur le. Non, mais écoute, fait que je vais le tour de terre, ça va. Bon, quasiment rien que j'ai ramassé. J'ai des lumières solaires. J'ai trouvé cet entour en caméra. Je l'ai trouvé dans une boîte. Non, non, ce que je suis passé. C'était dans une boîte cachée. Je les ai trouvés. Rien que ce que j'ai trouvé en fait. Puis je m'en vais ici, là. Je suis rendu là. Je pense que je vais trouver plus d'affaires que ça. On va mettre mon sexy, je suis tanné de l'avoir sur mon dos là. On va le mettre ici. Voilà. Peut-être à l'ombrage de ça. Non? Voilà, je l'ai mis là. C'est à l'entrée. Bon, une base de TV Samsung. Eh oui. Une base de TV Samsung. Tout entassé, c'est là-dedans. Chou! Ça risque d'être dur, Eric. Ça risque d'être bien dur, ton affaire. Parce que t'entassé de même. Ils ont mis ça de même, puis là, avec les branches, ça m'aide pas en tout le coulon. Hein? Hein, ça ressemble à ce que j'ai trouvé la semaine passée. Donne Ah, non, il n'est pas pareil. Celui-là, c'est fait par fibre optique, cette affaire-là. La fibre optique, ouais. Fibre optique. Bon, on va quand même regarder ce qu'on peut trouver là. Ben, la semaine passée, voilà deux semaines, je veux dire, 30 minutes. J'ai oublié de mettre une affaire que j'ai trouvée tantôt. Des ciseaux. Des ciseaux, j'ai pas envie de me couper le cul avec ça là. Parce qu'il est direct dans ma poche. Il va en arrière. Ça semble intéressant là. Oh, bien beaucoup de choses. Ça, après, tu sais. Ah oui, puis l'explicable que j'ai vu tantôt là, ça venait d'un système de son COS, que c'est. Mais je n'ai pas trouvé le système de son, j'ai creusé un peu pour essayer de le trouver. Mais je ne l'ai point trouvé. Tout ce que je peux vous dire par là, c'est ça. Bon sang! Wow! Là, je ne pourrais pas aller plus loin que là, là. Il y a ça. Bon, on va aller par là-bas, l'autre bord. On va mettre le sac là. Tiens. Plein d'affaires, c'est ça. C'est encombré. Des boîtes. Oh là là, c'est un peu plus cher. Là, si ça me paraît un peu plus. Comment je vais passer par-dessus? C'est pas de l'air solide, c'est juste ça mon problème. Je vais peser trop lourd. Ça. Attendez un peu, je vais essayer de monter, là. Je risque de me faire mal sinon. Ah, pas pire. Ça me permet de voir en hauteur tout ça. Ouais. Attention, on ne sait jamais ce qu'on peut piler, ce qu'on peut tomber. Ok, ça me semble safe. Ça me semble safe. Bon, une balle de quille. Une boule de quille droite là. Attention! Et bon sang! Wow! Ok. Ok, so far so good. Qu'est-ce que c'est ça? Des livres sur de la pêche.
500 nouvelles recettes du chef Paul Martin. Un morceau de speaker. Un speaker de... Je sais pas c'est quoi. Ça a l'air d'être au Dell cette affaire-là, parce qu'il y a des lumières là-dedans, je dirais. Je sais pas, mais ils sont finis, je dirais. Ouais, ils sont finis, regardez, oui. Ils sont finis, speaker. Il y a trop joué de musique dessus, bien fort. Le fait du bling, bling, bling. Bon. Il a fini par défoncer le speaker. Ouais. Bon, il y en a qui s'est amusé à démancher une cafetière ou quoi? Il était démanché. Là, par exemple, ici, là, ça va être un peu plus compliqué, là. Bon, on va quand même essayer de passer, puisque je suis rendu. Je regarde un peu partout ce que je peux trouver au travers de tout ça. Quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Ah non! Ok, ça c'était un pot des ciseaux et des couteaux, ça. Oh, un miroir cassé. Un miroir cassé. Il doit être là à côté. Des affaires de lumière de jardin. Il doit être là, non? Là, par exemple, si c'est mon problème. Comment je vais faire, hein? Peux-tu tasser ça? Attends un peu. Je vais essayer de tasser ça, là. Attends un peu. Je vais essayer de tasser ça. Bon. Voilà. Je vais essayer de tasser. Bon. Désolé. J'ai tassé ce gros divan-là de là. M'empêcher de passer. Noma! Des lumières de jardin. Ça, j'en trouve souvent ces lampes-là. Hein? Voyons donc. Je suis une vieille ou quoi? Et encore une de ce genre. Oui, là-bas, ça. j'en trouve. Les voilà. Vous voyez, ils sont là. Voyons, ils sont là, les lampes de jardin. Voyons, ça se peut pas. C'est ces autres-là! Mais on dort! Regardez ça, ils sont même pas utilisés! Flamme en eux! C'est quoi l'affaire là? Ils sont flamme en eux, les affaires, puis ils ont même pas utilisé! Il y en a un autre là, j'ai cassé d'autres là. Hop, celui-là est brisé par moi. Celui-là est cassé. Ouais. On est juste des clippés, celle-là, okay. C'est bon. Je l'ai. T'as mis là, voilà. Des lampes de jardin même pas utilisées. J'en reviens pas. Je peux en avoir 6. Ah, il y en a un autre, j'en vois un autre. Oui. Eh ben, pas de n'importe quoi. Flamme en eux, même pas utilisé. J'étais déjà. Pour la quatrième. C'est incroyable, le monde jette des lampes de jardin même pas utilisées. Voyons. Il y en a combien là-dedans? Je suis supposé d'en avoir 4. Ça venait de là. 10 lampes. Et là, j'en ai juste trouvé 4. Tu veux dire qu'il m'en manque? Oh, il y a une autre affaire flambant ici. Attendez, je vais essayer de les repérer. J'essaie de les repérer. Voyons donc, ils sont flamants en eux. On voulait regarder t'emballer encore. 5. Même pas utiliser le moindrement encore de son bon emballage. Voyons, c'est quoi l'affaire là? Il y en a 5, ce qui veut dire qu'il m'en manque 5 autres.
train de hauteur. La batterie est encore bonne, j'en ai pas. Flambant nu. J'en reviens pas. Des lampes de jardin flambant neuf. Bon, on va les mettre. Attendez là. Un. Deux. Voyons donc. Brand new, même pas utilisé au moindrement. Deux, trois. Quatre, cinq. Il manque deux affaires de réflecteurs. Bon, ok, on va aller chercher les autres. Désolé. Là, j'en viens pas. J'ai trouvé quelque chose de vraiment spécial. Des lampes de jardin, même pas utilisées pendant tout. Trouvez les 10 maintenant. Restez là. Je vais chercher ces 10-là. Là, vous allez me voir le train là. Il y a du styromo sur la table, c'est dangereux. Bon, ok. Ok, on est supposé en avoir 10 en tout là-dedans. Là, j'en ai juste 5 de trouver. Avec une barre de métal, c'est pas bien ça. Bon, on voulait le 6e. On en a trouvé un en haut. On voulait un 6e dans le site. Encore dans son emballage. 6e. Bon, les autres sont là. Je viens de les trouver, les autres. Il y a des chiens. Même pas utilisé encore. Ça, les autres, là. Cette petite languette-là, c'est pour la batterie, ça. Il n'est même pas utilisé encore. Il a été jeté. Quand je viens de tous les trouver, les lumières solaires. Pas sûr, mon truc. Ils sont tous là-dedans. Il en manque un. J'en viens pas. Attendez, je vais être en bas. Je vais regarder ça, là. Voyons, c'est incroyable. Bon, il en manque combien, là? Un. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il m'en manque 3 autres. Attends une minute, voyons voir ça là. Je vais compter, je vais refaire les décomptes. 1, 2, attends une minute, le troisième est là, avec son tuyau, même pas utilisé. Bon, combien il y a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 2, puis il manque 2 choses de réflecteur. Ce qui veut dire que j'ai fait là-dedans au travers de ça. Je vais quand même faire des vérifications. Parce que je ne vois pas. C'est incroyable comment les gens jettent des affaires, même pas utilisées. Des lampes de jardin. Il manque deux réflecteurs, il faut que je le trouve les deux. Il y a peut-être en dessous ou en bas. Il faut que je regarde quand même un peu partout. Je perds un peu de temps, je le sais, là, mais c'est bon. Regardez, Nara, c'est pas là. Des lumières. Ah, il y en a un autre. Il y en a deux autres. Non. Il y en a un autre cassé en dessous. Oups. Il y en a un autre cassé ici. Cassé. Là, c'est là que je cherchais. J'en ai cassé un.
Oh non. Il y en a un complètement pété un morceau. Montez. Bon, on met ça. Il y en a un cassé. Il m'en manque un. Il m'en manque un seul pour le trouver. Eh ben, voilà. Je crois qu'on va pas trouver l'autre parce que là, je crois que l'autre est enterré ou je sais pas là. On va pas le trouver celui-là, c'est sûr et certain. Bonne chance, Eric. Bonne chance. Et voilà! Il a trouvé le 10e. Le voilà. Et voilà, les 10 sont trouvés. Eh ben, il y en a un cassé, mais le reste est tout là. Eh ben. Il manque des réflecteurs, il en manque. Quand t'en manques un, j'en ai 6 de disponibles. J'en reviens pas. Sept, huit, neuf, dix, c'est ça. Il y en a un qui passé, puis il en manque. Cette affaire de réflecteur, donc je n'ai aucune idée de son haut. Il y en a un cassé. Je vais trouver les 10 là maintenant. Non, mais là. C'est pour le reste, ben là, je dirais que j'ai oublié ça. Il y en a un cassé. Je ne pourrais certainement pas les trouver. Mais... Ouch! Je regarde quand même là, au cas où, là. Je peux quand même les repérer là. On a une cassée par là. Dommage. Ah, vous voulez une autre affaire de piquet. Piquet de jardin. Et ben. C'est incroyable quand même comment les gens jettent des affaires, même pas briser encore. Bon ça, on va jeter ça à terre, hein. Mais je vais tasser de là, là. Je vais les tasser là, pour que c'est cassé non plus. Attendez là, on va les mettre ici. Tiens, voilà. On va les mettre là. Eh ben. Ah oui, il y en a un qui manque sa batterie. Celui que j'ai enlevé tantôt, celui-là. Voilà. Bon. Je vais jeter ça à terre, celui-là. J'en mets pas. Attention, je jette ça à terre, celui-là. Je sais comment faire. Eh ouais, attention, 3, 2, 1. Je le dirige par là-bas. Et voilà. Bon, maintenant, essayer de repérer les autres affaires, là. Je suis pas sûr de les retrouver, ces autres-là, Eric. Pas sûr. Ah, là, ça devient un peu dangereux, il y a un paquet de clous ici, quoi. Bon, ben, coudonc. Je ne vois pas les autres. Bon, je l'importe. Moi, je les ai trouvé toute la gang. 10 lumières, lampe de jardin. Mais là, j'ai laissé mon sac là-bas en plus. Mon Dieu. Attendez un peu, j'ai une idée. Je vais juste passer ce genre de là. Ça dit que j'ai plus de pieds où je suis rendu. Il va être là. Faut pas mettre les lampes de jardin là-dedans. Incroyable.
Les lampes de jardin, je n'ai même pas utilisé. Flambe en nu. Incroyable. Ça se vend cher, ça coûte cher, cette affaire-là. Encore bagno. Flambe en neuf. Je pense jamais d'en trouver des flambes en neuf ici. C'est l'ironie du sort. Et ouais. 10 lumières de jardin flambe en neuf. Eh ben. J'en reviens pas. Ouais, ben, coudon. Quand même, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Des choses flambent en eux, même pas utilisées le moindrement. J'ai trouvé finalement un sac pour les mettre dedans. Ça là. Là, c'est un peu encombré ici, quoi. Ça risque d'être bien difficile de passer par là. Ça, tu peux le dire. Tiens, 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 écoute ça. Tiens, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Un gros cadran. Un tête fichu. Un mécanisme tête fichu. Mais ça, c'est quoi cette affaire-là? Une espèce de machine, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait une affaire d'imprimante, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Aucune idée. Mais attention, c'est dangereux, c'est dangereux. Oh, moi qui m'aventure là-dedans. Oh. Ok, ça me semble correct, là, mais... Ok. C'est très encombré. Les branches m'accrochent. Heureusement, c'est pas des rosiers. Ben, j'aurais crié. Ah! Tu me savais? Mais c'est ça. Wow! Bon, voilà un morceau d'imprimante. L'autre bord de ça, j'ai trouvé les lampes de jardin. Bon. Oh là là. Oh là là. Des lampes rodelles, ça. Lumières rodelles, ça. Mais oui, encore des lumières rodelles. Encore un autre. Chouin, allez voir. Encore des lumières rouges, je les ai envoyées là-bas. Sur l'autre bord de ça, j'ai trouvé les lumières solaires. Téléphone, ça? Ah, ben oui, un téléphone, ça. Télébec, ça, que ça appartient. Bon. Ah. Attendez-le! Bon. Ouais. Le noir, ça arrive plus vite qu'à l'habitude, là. C'est vrai, vers 7 heures, il commence à faire noir, là.
un sac c'est un beau sac bleu. Un beau sac bleu c'est. Non mais c'est incroyable comment on peut en trouver des affaires que les gens jettent. Ah c'est non loin de ça, le miroir l'autre bord. Donc c'est par ici que j'ai trouvé ça. Ça l'importe un peu. C'est pas grave pour les morceaux de plastique au moins j'ai trouvé. Les lumières solaires. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça là? Un écran? Ben oui, un écran ça. Un écran pour les RCA. Ben oui. On a fait des RCA ça. Je vais mettre tes jeux vidéo dedans. Il n'y en a pas deux, il y en a juste un. Moi, le deuxième est caché. Allez, on va regarder. Ah, il est là, j'ai de le trouver. J'ai traité l'autre. Je vous le. Eh oui. J'ai trouvé le deuxième. Il était caché en dessous de ça, non loin. Des morceaux déviés. Eh ben, il y en a deux. Ça, c'est pas un lecteur DVD. Ah oui, c'est un lecteur DVD, ça. Ouais. Ouais. Ah, ça doit être pour les lecteurs DVD, ça. Non, il manque une affaire ici, j'étais arraché. Il a été arraché. Il devait aller là. Ça devait être une pièce d'écouteur, ça, ou quoi, c'est ça? Je sais pas, mon truc. Non, une pièce audio, ça. Blanc, rouge, jaune. C'est la pièce jaune qui manque. Bien, ben. Un lecteur DVD, ça, quoi. Je sais même pas comment ça s'enlève, cette affaire-là. Ah, de même, ça. Ah, ok. En quel lecteur DVD est de même? Eh ben. Du monde, des fois, qui me demande des lecteurs DVD. J'en ai. Bon. Eh ben. Bon, on va aller mettre ça là-bas. Est-ce que j'ai trouvé ça? Un câble de TV en dessous. C'est juste dommage que j'ai pas trouvé de gros système de son. Un gros stéréo, là, tu sais, ancien modèle. Là. Bon, on va les mettre ça là-bas. Là. Ah, mais aujourd'hui, c'est pas payé mes travaux. Des lumières de jardin, flambant neuf. Quoi de mieux? Puis des lecteurs DVD. Bon, ben voilà. Me voici, il est déjà 8h17 du soir, là. Là, il fait déjà noir, là, comme vous pouvez le voir, là. Ça, c'est la lune. Et là, en ce moment, j'ai ma lumière d'urgence. J'ai fait un test, ça dure longtemps. Là, il y a plein de mouches autour. C'est ces maudites mouches-là qui n'ont pas de tourner autour de moi depuis tantôt. Là, j'ai ramassé beaucoup de lampes de jardin encore. Beaucoup, beaucoup. Ça, c'est les nouveaux que j'ai ramassés. Les autres sont en bas. Les lecteurs DVD, tout ça. Là, je suis en train de faire le ménage là-dedans. Des fils de choses, d'autres sacs de... que je vais amener là-bas. Je vais essayer de faire du con. Je vais essayer de demander à quelqu'un qui me les amène. Hein. Attendez, c'est quoi ça? Ah, quelle lumière au-delà, tu vois. Fait que c'est ça, là. Fait, j'ai pas mal ramassé des choses. Là. Fait que là, maintenant, je me prépare à quitter parce que là, il fait noir. Fait que, hein. Je me suis pratiqué tantôt pour essayer de trouver des affaires. J'ai trouvé quelques petits trucs, mais pas grand-chose de spécial. Fait que moi, je vais retourner chez nous parce que là, il fait sombre. Là, mais j'avais ma lumière d'urgence. Si j'aurais ma lumière frontale, je ne l'ai pas. Fait que j'avais ma lumière que ça fait longtemps que j'ai trouvé à Don. Il y a quelques années par là-bas. Ce qui veut dire que c'est par là-bas dans le fond, je l'ai trouvé. Je me rappelle de ça. Ou ici, avant ça, après que ce soit ici, ou bien en haut. Je ne me rappelle plus trop où, c'est où, mais en tout cas, je me rappelle que j'avais trouvé ça
Ou soit ici, mais il était plus bas, les affaires. Je me rappelle que c'était plus bas, il était à terre. Si je me rappelle bien, c'était là-bas, c'est dans le fond. Mais ça fait longtemps que j'ai cette lumière-là. C'est des lumières de... d'urgence, en tout cas. Ça brille fort, tu sais. C'est ça, là, fait que, hein. Vous pouvez voir ce que j'ai mis ça. Il y a des sacs que je vais laisser ici. J'ai deux affaires, non. Fait que moi, je vais me préparer pour y aller. À la maison. Ça va bien, cette lumière-là, ça fait longtemps que j'ai ça. La radio casse, oubliez ça, je l'ai pas trouvé, le système de son. J'ai rien trouvé les speakers, mais le système de son... rien trouvé, fait que moi... Je vais me préparer pour aller chez nous maintenant. Il fait déjà sombre, il fait déjà noir, puis la lune est orange. Hein? On se retrouve à la maison. Ah, c'est là-dedans. Je suis arrivé à 11h... Non, 10h45. Là, j'ai commencé à... J'ai défait pas mal de choses. Là, j'ai ramené les lumières des jardins. Les flammes en eux. C'est incroyable. La preuve qui est ça. Cette languette-là, il faut l'enlever pour l'utiliser. Elle est encore là. Flamant nu. C'est dans la boîte qui était défaite. C'est vraiment incroyable. Je pensais jamais trouver ces lumières-là, mais c'était éparpillé là-dedans. Il y en avait un cassé. J'ai même pas trouvé les autres, non? Puis, ces lumières de jardin. Ils sont arrivés. Ben, moi, je les ai trouvées de même. Pas de lumière à l'intérieur. Je me suis dit, où ça, ces lumières-là? Regarde, qui peut bien avoir enlevé ça? Ben, je les ai retrouvés plus tard à terre, dans un pot, tout tranché. J'en ai placé un là-dedans. T'as vu le même? Je pense que les personnes, c'est fait en vitre, mais non, c'est fait en plastique. J'en ai juste à remonter. On n'a pas de lumière déjà. Incroyable. Et j'ai trouvé aussi des paquets de pinces. Tu sais, pinces coupantes. Tu sais, pinces pour serrer. Pinces pour les machins, je sais pas quoi, là, moi. Puis une grosse pince pour les éviers, là. Tu sais, quand t'as un évier qui est bouché, là, tu le débouches avec ça, là. Si tu fais ça, là, tu vois. Ou bien, t'as acheté une dent. Je te lâche. Ah, mais tu viens, tu vois. Je me suis dit, je suis là. Ah! Fait que c'est ça. J'ai trouvé des lecteurs DVD. Il y en a deux. Le fil n'est pas loin. Je l'ai enlevé. Je l'ai ça, il est là. Le fil, il est là. Mais il manque un morceau ici. Oui, le morceau est cassé, le fil. C'est un morceau de fil audio. C'est le fil vidéo. Une longue journée, je dis. J'ai pris une douche. Ça fait du bien. Fait que cette aventure zone était correcte, mais. C'est pas moi qui décide qu'est-ce qui se trouve là-bas. Tic-tac. Hey! Tic-tac. Qu'est-ce que t'as là? Pas supposé d'avoir des puces, lui, là. Je l'ai lavé l'autre fois, au lac. Hey! On va. J'ai trouvé les autres lumières de jardin aussi. C'est que je ne sais pas si vous pouvez les voir. Ils sont sur la table. Ils sont toutes là. Il y en a deux autres des petits noirs. J'ai même pas trouvé les affaires pour mettre là-dessus. J'en ai juste trouvé trois. Attends. Oh. Puis ça, je les ai testés, mais il y a quelques-uns qui ne fonctionnent pas pendant tout là-dedans. Vous voulez voir? En tout cas, je les ai ramassés pour rien quand même. Je vais laisser là. Je le branche. Ça fonctionne. Et après ça, il y a des bouts qui ne fonctionnent pas. Il y a des bouts qui fonctionnent, puis il y en a d'autres. Ok. Hein? Je les ramasse pour rien. Dommage. Le courant. Tiens. J'ai même trouvé une lumière de
D'Halloween. Il est là. C'est une lumière de toile d'araignée qui fonctionne. Fonctionne bien encore. Tu mets ça au sol, puis ça. T'envoies ça vers ta maison, puis ça fait une belle lumière, là, tu sais. Belle blanche. Je fais que ça, là. Tu mets ça à terre, là. Tu peux faire un party d'Halloween avec ça, là. J'avais aussi trouvé des yeux mouvants, mais il manquait l'adapteur, mais je l'ai laissé là-bas. Pourquoi je l'enroule bien, moi? Je ne devrais pas l'enrouler de même, je devrais plutôt le plier de même. Tiens. Bon, je serai pour l'attacher, moi. Fait que c'est ça, fait que mes aventures zones, j'étais correct, mais j'aurais bien aimé essayer de trouver quelque chose d'autre, mais des lumières solaires flambant neuf, c'est très rare de trouver ça, même pas utilisé, tout brisé déjà. À moins que ça se peut bien qu'il vienne de magasin, ou bien il y a une personne qui l'a acheté, mais qui a cassé des morceaux. Ou bien qu'il ne l'a plus utilisé puis il l'a acheté. Ça coûte dans les 60aines de dollars, même 80$ si ça fallait, j'ai vu ça au Kitchen Tower, 45$, 80$. Ça coûte cher la dizaine. Hey, c'est une 10 lumière ça, en tout. Ok. Merci d'avoir regardé cet épisode-là, c'était l'aventure épisode numéro 20. Au moins, j'ai atteint l'épisode numéro 20. La semaine passée, je n'ai pas pu y aller parce que il mouillait et il faisait froid. Il a mouillé beaucoup durant la nuit aussi. Imagine-toi si j'aurais été là-bas. J'aurais tombé malade. Qui sait? Donc, on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur un radio que j'ai déjà eu dans le passé il y a bien longtemps. Je crois que c'était en 2008-2009. Un stéréo GVC RCS5C. Vous vous demandez c'est quoi ça? Un petit stéréo de marque GVC. Et celle-là, je l'ai aimé vraiment très gros. Il est à peu près gros de même, long de même. Fait que, hein, c'est un petit radio, mais tu peux pas le mettre sur batterie. C'est juste ça qui est dommage, mais j'aimerais ça faire de quoi pour le modifier, mais j'ai pas les morceaux. Je vais peut-être m'en trouver des morceaux pour ça, mais à un moment donné, ça là. Et ce que j'aimais beaucoup de cette radio-là, c'est quand j'enregistrais avec les microphones, on n'entendait même pas le mécanisme, même pas le moteur. On n'entendait que du silence. Le bruit était vraiment très intéressant. Fait que cet épisode-là va venir bientôt quand je vais le recevoir cette semaine. OK? On se retrouve pour ça. Salut!